La maison de... qui est derrière vous, là, qui est très grande, était habitée de temps en temps au premier étage par la famille des propriétaires, quoi. Donc, et puis au rez-de-chaussée, il y avait une religieuse. Et il y avait, il y a 60-70 ans d'arrêt, il y avait un salon de coiffure aussi. Voilà. Et puis il se trouve que l'année dernière, cette maison a vu arriver une jeune femme qu'on ne connaissait pas du tout, qui s'est installée là. Et on a découvert qu'elle était plus une artiste qu'une femme. Elle nous disait qu'elle peignait des tableaux qu'elle exposait à Paris, à Perpignan. Ok, tu peux baisser tes bras si tu veux. Place ta tête plus en arrière encore. Ok, et tu fermes les yeux et t'es chill. C'est bon comme ça, ça dit quoi là? Fais une pause, vas-y. Non, mais c'est bon. Ah oui, c'est bien. Ah ok, nickel. Je posais la question. En voyant un tableau pour la première fois, en étant un modèle pour la première fois. Avec un thème précis, parce que c'est quand même un thème précis, tu reçois un message, une énergie, tu fais comment? C'est quoi ta posture? Comment tu distribues? Comment tu reçois le truc? Ouais, je le perçois comme ça en fait. Ben ouais. Alors moi, j'ai pas été touchée par la grâce. Elle m'en a parlé un petit peu, mais finalement, je suis plutôt entrée en relation avec d'autres personnes et pas spécialement avec la grâce divine ou pas, j'en sais pas. Moi, j'étais pas là-dedans. Je suis dans l'hésitation avec ce bleu-là. Que d'un côté, ce visage est consubstantiel du rapport au bleu. Et ça, c'est beau ensemble ici, cette zone-là. Mais par contre, là, ça saute, quoi. On n'est pas dans le même espace. Marion, elle donne un peu
ce qu'elle veut pour le tableau, ce qu'elle voit, ce qu'elle imagine. Et puis après, c'est à nous d'interpréter comment on vit la situation. Je suis sensible au soleil. Et donc, je me suis dit, je vais imaginer comme si c'était un énorme soleil qui arrivait. Et voilà, je me suis projetée dans ça, comment je ferais par rapport au soleil et cette beauté-là. Et voilà, c'est comme ça que j'ai essayé d'imaginer les choses. Un peu en recevant et en contemplation, ma pose, elle est comme ça, elle reçoit vachement. La troisième fois que j'ai posé, ça a été la plus longue, 3 heures. Et une demi-heure de... en deux fois, une demi-heure de repos. C'est, je vous assure, effectivement, j'avais mes muscles qui étaient ready. J'avais du mal à remarcher. Je voyais les gens rentrer, sortir. Et je découvrais, le lendemain ou 2 jours après, je découvrais pourquoi ils étaient venus. Voilà. Et ça, c'est important parce que... parce que les gens, que vous, même si on ne les côtoie pas au quotidien, mais au moins on les aperçoit dans le village. L'idée majeure, à mon avis, enfin, puisqu'on en a parlé, hein, avant qu'elle s'attaque à son tableau, c'était une apparition divine. Voilà. Pour les visages, je travaille directement avec le modèle. Mais pour les corps, et surtout pour les vêtements, je peux faire des dessins comme ça. Et ensuite, je peins d'après les dessins. Ça, c'est une époque où j'en ai fait sur le motif quand j'habitais dans le 20e. Je prenais des notes dans le quartier, quoi. Et aujourd'hui, je me sers de ces notes. C'est rien, là, c'est pour juste me rappeler des détails des immeubles. Je savais déjà que ce serait un soleil, je pense, mais c'était un peu confus, mais je le savais. Parce que j'ai fait cette espèce de contour de matière, alors que c'était tout blanc et je savais pas trop ce qui allait se passer dessus. Voilà, je pensais au magma. Tu l'as fait, ce contour blanc, quand t'as enduit la toile, quoi. Ouais. T'as demandé au gars, c'est toi qui l'as enduit. C'est moi qui l'ai enduit. C'est pas une toile, c'est du bois. Donc j'ai demandé au modèle, qu'est-ce qui se passe si la grâce descend dans leur cœur à ce moment-là? Ou alors, pour le dire autrement, ils sentent très fort l'espace autour d'eux, ils sentent l'espace en eux. Enfin, ils sentent une joie. Et comment ça impacterait leur rapport aux autres personnes dans l'espace public.
quand tu vois que ça... Que ça penche. Ouais, que ça commence à pencher vers là, ben, bout, tu bricoles une demi-ligne. Ouais. Ok. Vois. Mais autant que je continue comme ça, mais pavé par pavé, fais-en trois comme ça, okay, et ensuite on fait le raccord. Ok, dis. Ouais. Si tu veux, tu me dis quand t'arrives au moment du raccord. Ça marche. Ok, merci. Tu vois, cette ocre française là, dont je te parlais, ouais. J'en ai acheté des quantités, enfin j'en ai acheté un gros sac de 2 kilos ou quoi. Mm-hmm. Puis au début, j'arrivais pas du tout à m'en servir. Maintenant que je commence à comprendre comment il marche, c'est une très bonne chose. Il est beau. Ouais. Mm. Il est vraiment très intéressant avec la tempéra. Est-ce que c'est lui qui est un peu rose que tu mélanges avec? Qui est un peu rose et qui... quand on le mouille, devient foncé. Oui. Et en fait, il faut juste savoir qu'il s'éclaircit énormément en séchant. Et il a une espèce d'éclat que jamais un mélange au blanc de titane n'aura. Ah oui. Tu vois. Oui. Oui, il fait pas gris cassé quand tu l'appliques grand ou pas. Ouais. Et il va permettre du coup d'apporter des lumières finales sans être trop lourd. Parce que le blanc, c'est lourd des fois. Je m'appelle Timothée. Je suis en quatrième année au Beaux-Arts de Paris. Et là, je suis en stage avec Marion. C'était un stage que je voulais expressément parce que dans les peintres que je regarde un petit peu et avec, enfin, dont le travail me donne matière un peu à vouloir évoluer dans ma propre pratique, je pense. C'était l'un des trucs les plus intéressants, surtout parce qu'elle travaille sur le motif, avec des croquis, enfin qu'elle a une démarche très observée, qui n'est pas toujours fréquent, enfin qui est assez rare en fait en peinture contemporaine, je trouve. Moi je mangerais bien du foie de bœuf, je suis intéressé parce que je sais pas du tout ce que c'est. J'ai jamais goûté le foie de bœuf, mais j'ai mangé un cœur de bœuf une fois. Ah ouais? Pareil, c'est assez impressionnant. Ouais. C'est énorme quoi. Ouais. On parlait de ce que tu allais peindre ensuite. Mmh. Et effectivement, il y a quand même un truc où moi, je me suis... avant de partir, ma mère, quand je lui ai montré ton travail, elle a dit... c'est quand même bizarre, Marion Bataillard, là, elle est partie au milieu des montagnes. Elle peint en fait que des villes. J'ai dessiné la forme en me disant « je pourrais sûrement faire quelque chose avec ça ». Du coup, ça apparaissait. J'avais sûrement, avec ce petit bitonio, il y a quand même l'idée d'une voûte céleste et l'idée d'une incrustation, d'un bitonio incrusté qui vient projeter un truc, quoi. Mais tu vois, là, c'est un état du tableau où il y a encore pas mal d'indétermination. Je sais pas encore comment ça va se... Ça va dépendre, pour le coup, beaucoup de ce qui se passe avec les modèles, tu vois. Toi, tu disais passer sous elle. Comment t'interagirais avec elle en tant que créature à côté de toi, tu vois ?
Tu navigues. Tu navigues en eau trouble. Tu peux être aussi un peu tranquille à la regarder. C'est vrai. Patauger. C'est vrai, tu peux la regarder patauger. Ouais, là je suis assez bien pour la regarder. Tu peux aussi imaginer qu'elle est par là, en fait, là. Ouais. Admettons qu'elle est là, tu vois, en train d'enlever. Donc de temps en temps, tu peux la regarder pour. C'est comme ça, je la regarde patauger comme ça. C'est pas mal le pied levé. Comme tout à l'heure, le bébé heureux. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Et du coup, peut-être l'autre jambe repliée aussi, c'est possible, tu crois? C'est pas mal, ça, c'est un peu rigolo. Ah ouais, ça, c'est vraiment pas mal. Tu viens là.